tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis actuellement en robe de chambre et maquillée. On va pas très bien ensemble. Mais j'avais grave la flemme. C'était trop bien comme ça. En pyjama, détente et tout pour faire un petit tag sympathique. Et ce sera le Disney tag. Je le vois tourner depuis des années. Et je me suis dit que, puisque j'adore Disney, et pourquoi pas le faire, puisque j'adore tout ce qui est dessin animé, Disney, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour la première question, c'est ton film favori donc de Disney. Celui que je... Enfin, ceux que je préfère, parce que un seul c'est un petit peu peut-être compliqué. Ce sont, je pense, Le Roi Lion et Pocahontas. Ensuite, quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre? Je pense que celle que j'aurais voulu vivre, c'est peut-être le moment où dans Aladdin, il chante ce rêve bleu, parce que c'est assez merveilleux d'être sur un tapis volant, n'est-ce pas? C'est assez féerique, donc je mettrais celle-ci quoi, pour mon petit côté romantisme. Je pense que je mettrais ce passage-là. Un moment inoubliable dans un parc d'attractions. Enfin, j'imagine à Disney, c'est le feu d'artifice de Disney. Je crois que c'est le principal, je crois que c'est le plus beau feu d'artifice que j'ai vu de toute ma vie. C'est un vrai spectacle, les projections, etc., les musiques, le feu d'artifice, le feu, le machin, c'est vraiment magnifique. Franchement, si c'est pas votre truc d'aller à Disney, allez-y au moins pour voir ça, parce que voilà, c'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Donc je dirais que mon meilleur souvenir dans un parc d'attractions, du moins à Disney, c'est celui-là. Si tu devais être un prince, qui serais-tu? Je pense que je serais Aladdin, parce que au début c'était pas un prince, on est devenu un. Au début il a un petit peu galéré. Et je pense que c'est plus celui, parce que voilà, il est très courageux, tout ça. Donc je dirais Aladdin. Quelle princesse serais-tu? Je pense que je serais Jasmine, parce qu'elle a un fort caractère, du coup peut-être que. Je pense qu'au niveau du caractère, c'est à elle que je ressemble le plus, donc peut-être Jasmine ou Pocahontas, parce que c'est pareil, elle a un sacré tempérament. Et voilà, donc je pense l'une des deux. À quel personnage ressembles-tu? Bah, j'ai mis la réponse, mais en soi, ben voilà, j'ai pas les cheveux aussi longs, mais bon, peut-être un petit peu toutes les princesses qui sont blondes. Donc dans ce cas-là, on peut dire Aurore de la Belle au Bois Dormant, on peut dire... j'en sais rien, enfin voilà, j'ai mis une réponse mais j'en ai aucune idée. Dites-moi si vous trouvez que je ressemble à qui je ressemble dans les princesses Disney. Quel personnage Disney je choisirais pour être mon ami? Pégase peut-être, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un cheval volant. Ouais, Pégase je pense, ou peut-être Olaf parce qu'il est trop mignon. Je trouve trop chou. Je trouve trop chou aussi Polochon, il est trop mignon. Enfin, il y en a beaucoup que je trouve mignon. Hein. Donc voilà, je mettrai eux. Le Disney que tu as vu le plus, je pense que c'est Le Roi Lion. Pour revenir à mon film préféré, je pense que c'est Le Roi Lion. Je pense que c'est celui que j'ai le plus vu réellement. Surtout bah, le 1 et le 2 parce que c'est ceux que je préfère. Ouais, je pense que c'est Le Roi Lion. Et ensuite, ma chanson Disney préférée, j'en ai mis plusieurs. Donc c'est L'Air du Vent. Dans Pocahontas. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence. Je crois en malveillance. Mais si dans ton langage tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De nuages. Bref, donc celle-ci, je la trouve. Magnifique, c'est une très 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 belle chanson, je trouve. Elle a une voix en plus magnifique. Je vous épargne mon petit doublage parce que je chante comme une merde. Mais bref, c'est une de celles que je connais par cœur et que j'adore. J'aime énormément celle aussi, Anastasia. Je la trouve magnifique cette chanson. Découvrez la douceur du nouveau Sensitive Shake de Vite. Utilisez le... On aime les pubs, on aime. Oui, oui. C'est Loin du froid de décembre. Et c'est pareil, c'est un dessin animé que j'adore. Par contre, il faisait trop peur le méchant dans Rasputin. C'est très long. Des images me reviennent comme un souvenir tendre, une ancienne
Bref, elle est magnifique aussi. Celle du Roi Lion, il y en a plein que j'adore. De toute façon, il y en a plein que j'adore. Là, vraiment, ils mettent la préférée, mais je n'ai pas vraiment une seule préférée, c'est impossible. J'adore l'histoire de la vie, j'adore Hakuna Matata, je voudrais être roi, et surtout, j'aime beaucoup celle-ci, L'amour brille sous les étoiles. C'est terrible, c'est affreux, ouais. Et il se moque de tout. L'amour s'amène, et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux, ouh, sous les diamants des étoiles. Quel magique univers! Bref, elle est très très belle cette chanson. Bon, après il y en a plein d'autres, mais voilà. Bon, voilà pour ce tag Disney tag, vous l'appelez comme vous voulez. Je le trouvais sympathique, ça fait une petite vidéo courte, sympathique, machin, pour ceux qui aiment bien Disney. J'invite les personnes qui me suivent et qui sont sur YouTube éventuellement à le faire, pour celles qui ne l'ont pas fait. Ou ceux, bon voilà, les hommes aussi peuvent le faire. Qui a envie de le faire, vous le faites, hein, tout simplement. Voilà, ce serait sympa de voir vos petites réponses, ce que vous préférez. Donc voilà pour ce petit tag. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche si mes vidéos vous plaisent. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao !